Salut tout le monde, je m'appelle Théo Pelliette, je suis étudiant ingénieur agronome et ceci est ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, sur cette chaîne, naît un projet qui me tient à cœur depuis un bon bout de temps maintenant, Agoragro. C'est bon, t'as compris? Sinon, il y a un gars qui me ressemble, avec le bouc en moins, il va tout expliquer. Allez. Ça vient de la fusion de deux mots, agora et agro. Le premier signifie espace de discussion, et le second qui concerne l'agriculture. Alors concrètement, Agoragro, c'est un nouveau média collaboratif, indépendant, qui explore et questionne les idées, les discours autour de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Le constat qui m'a amené à lancer ce projet est simple. Alors que l'agriculture et l'alimentation est au cœur des débats de société, les médias traditionnels ont trop souvent une vision bornée de ces sujets. Ils cultivent la confusion et souvent font des raccourcis idéologiques sous prétexte de vulgarisation. Au fond, ils ne donnent pas l'information qui permettrait de comprendre toute la complexité d'un sujet et d'avoir un véritable regard critique. Et sans ça, sans cette compréhension, on ne peut pas agir pour le bien commun et pour une agriculture qui soit plus durable. Alors Agoragro, concrètement, c'est des vidéos YouTube, des podcasts audio et des débats animés sur les réseaux sociaux. Les émissions consistent en des interviews d'acteurs d'horizons divers. Ça peut être des agriculteurs, des chercheurs, des responsables d'entreprises, des politiques. Les thématiques abordées seront très diverses. On parlera bien sûr d'agriculture sous l'angle économique, social, environnemental. Mais l'enjeu agricole est tellement complexe qu'on peut pas le comprendre si on n'aborde pas le contexte plus large. Donc on parlera aussi de politique, de géopolitique, d'énergie et même de démographie, de droit, de santé... de plein de choses. Et si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur le site internet agoragro.fr ou taper Agoragro dans Google. Tu pourras t'abonner à la newsletter si tu veux recevoir des mails. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube ou sur ta plateforme de podcast favorite et nous suivre sur les réseaux sociaux, il y aura tous les liens dans la description. Et du coup, à très vite!